c'est Capital Bank qui patronne. Et maintenant, voici, mesdames et messieurs, notre invité du jour. Pour l'année 2024, là, Capital Bank a souhaité grand monde, kouti moun, fi, kou garçon, l'amou youn pou lot, la santé ak fraternité nan kè kontan. Engagement nous dans Capital Bank, c'est bay client nous yo pi bon service pour toutes affaires la banque dans capital là, tant kou nan ville provinciaux. Et si Capital Bank côté lié jodi a, c'est parce que chaque client accepte de faire nous confiance. Et pour ça, n'ap di yo merci. En 2024, ensemble, on avance pour pi devant. Capital Bank, bon banque. Le 20 décembre 2023, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous de la rubrique invité du jour. Merci pour fidélité nous à l'émission ça matin et nappé et recevoir, comme annoncé M. Jean-Robert Argan, habitué de cette émission, c'est le coordonnateur du collectif 4 décembre. M. Argan, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, bonjour Marie-Lucie, bonjour auditeur Vision 2000. Merci de l'invitation. Jeudi, c'est que vous dites 20 décembre, nous sommes à 5 jours de la Noël. 5 jours de cette fête où les familles devraient être ensemble. Bonjour, bonjour. Voilà. Nous ne pas dire malheureux pas fêter, mais condition pays a fait que nous pas gagner et le cœur et à la fête et c'est chaque année et que lui consent mais il va jamais envoyer Noël là vraiment des gens qui connaît à Bangladesh il va envoyer telle fête mais il va jamais faire ça vraiment tout simplement et nous pas gagner répit et dans pays a par rapport à ça que passe une question très large, qui est difficile tout. Bon, me déposer et qu'on s'assoit à table pour commencer l'émission. Ou même, qui vont où est le pays d'Haïti dans fin 2023? Bon, nous, il est vraiment en fin 2023, mais il y a un début d'émission. Permettez-moi de souhaiter à tout auditeur une joyeuse Noël que puissance divine aider nous toutes, que l'agir au regard sur toutes les familles, sur chacun d'entre nous, dans le pays, ou à l'étranger, sur tous les citoyens, nous, pour nous dire, on nous mettait ensemble, on nous la prière, on évoquait, bon Dieu, pour que lui vraiment jette un regard sur nous, et que lui aider nous, rejoindre la paix. Nous souhaitons un joyeux Noël. Nous, en début d'émission, nous souhaitons effectivement que monde qui est détenteur de violence, qui l'a, monde qui gagne la main des confrères, des frères, des sœurs, que séquestrés, nous t'a souhaité que yo permettent famille, gagner joie, recevoir la caillou. C'était Noël là. Nous pensons que c'est un appel que nous lançons déjà bah, et nous souhaitons que vous fassiez un geste, que vous libérez tout le monde qui a gagné, que vous kidnappez et que vous mettez bah, une famille. Donc, nous souhaitons joyeux Noël à nous tous et certainement unis tous dans la prière. Maintenant, pour parler de 2023, vraiment, c'est une année, quand on dit une année morose. C'est une année triste, qui triste événement, qui triste un déchirement, qui triste dans le genre que pays noir a été déchiré et que haïtien a été déchiré. Nous pensons que on a suffisamment souffert, nous tous, pour que nous mettions un halte là. Que nous organiser, nous commencer à penser pays pour que vraiment nous capable un jour
vraiment fêter Noël là. Au-delà de cette là, mais ça veut dire pays à Jodian, si on est à l'étranger, comme le papa est de Haïti en bon terme, ça vient quelque temps, hein, quelques années, dans le pays, c'est vrai, son pays qui gagne fait face à une crise perpétuelle, violence, et hier encore, la justice américaine condamné ou ancien sénateur haïtien John Joel Joseph pour ne pas le nommer pour implication dans l'assassinat président Jovenel Moïse, mais je t'en de présenter pays pour là et Jean-Robert de Haïti a ou même ça dit questionnement c'était qui regard ou porté sous lui ça dit qui ça le représente aujourd'hui à qui va nous hier avec les pays ça qui va nous mettre là. Au fait, je dis à moi, parce que nous, au point le plus bas, un pays capable de payer. Côté que nous pas gagné un rien cap géré, nous pas gagné une gouvernance à la hauteur de mission. Côté que c'est la misère qu'il a. Côté que c'est tout le monde, je par contre, côté pour bailler tête, côté pour la guerre, pour espérer un petit soleil. Côté que nous est que c'est l'exode qui a perdu toute jeunesse nous te gagner là qu'après aller vers d'autres rives alors que c'est les mêmes qui sont censés réellement assumer la relève pour que nous capables retourner au pays normal. Nous vivons un pays qui est totalement délabré, qui vivent dans la crasse, qu'ap vive le fatras, qu'ap vive dans la haine, qu'ap vive de la violence, qu'ap vive de le déchirement, qu'ap vive sans espoir. Nous en stade aujourd'hui que n'a mandé nous si vraiment ça relait au pays, parce que au pays c'est fait de citoyens, qui ont certainement des différents points de vue, mais qui capable discuter, qui capable parler, qui est capable ouais à venir, qui est capable avancer pour le bien-être de tout le monde. Nous en vivons au pays côté que jeunes nous yo pas ouais repère, pas et repère devant yo que jeunes qui retiennent là pas autre côté au parler que simplement qu'on espoir que demain ce sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vrai nous pas camper hémorragie là? Bon, il y a définitivement, Marie-Lucie, comme volonté manifeste de monde qui là, politicien, et qui là, capable de gérer le pays, parce qu'il y a monde qui est en pouvoir, et monde qui est en face de pouvoir. C'est deux forces que nous gagnons là. Donc, c'est comme si, c'est un dialogue de sourds. Si on peut parler de dialogue. Donc, ça, c'est que je dis, là, nous, est que, à date, il y a à peu près 17 tentatives d'entente qui sont soldées par 5 accords, 12 propositions et une pas vide avec aucun résultat. Nous sommes en train de tourner en rond parce que, au fond, le problème, que nous n'allons pas ouais pays à et c'est permettre d'utiliser moment ça jeudi à la temps ça pour nous lancer un appel à deux secteurs deux protagonistes ou antagonistes ou les tout pour comprendre que résultat absorbe simplement l'un mettez vous à quoi l'on fait you effort des deux côtés de la barrière you effort pour que nous changer la donne. Pour nous changer la donne, non, il faudrait simplement, comme nous, deux secteurs, ça, c'est gagner un point focal, un point de rencontre qui est quoi? Qui est pays. Qui regarde pays. Qui mette pays hein, comme vraiment base de toute négociation, de toute tentative de toute volonté éventuelle d'avancer pour le bien des 12 millions d'Haïtiens qui sont sur la terre d'Haïti et les 4 ou 5 millions qui se trouvent en terre étrangère.
nous mendions simplement un seul effort, une graine effort, pas plus, ni moins, un seul effort, c'est de toute approche qu'il y a après, de garder pays, Haïti, de mettre de côté tout ça, toute intervention, tout. Moun ki pa gade peyi mais tout sous côté mais moun ki gen pou prendre décision yo moun ki pou chita ensemble pour que nous joignons une solution commune pour garder peyi et essayer d'éviter autant que possible si nous capable essayer éviter ingérence quelle que soit instance étrangère à peyi nous pour nous capable ensemble parce que c'est ensemble capable de faire nous pas capable de sous l'attente une solution à venir de l'extérieur. Il faut que nous comprenions ça. Pour vous, et la cabriatelle de la mesure que nous avons pour le pays. On lance appel à acteurs ou deux, au fait, les pouvoirs, et puis gagner, comme ça, l'opposition, entre guillemets, en tout cas, yo, en face du Premier ministre Ariel Ri, pas d'accord, à mode de gouvernance, il n'y a pas les seuls d'ailleurs. Mais ça t'a voulu dire que le problème pays à Josia, l'étonnement est haïtien, c'est un homme et acteur faillot seulement lié, alors que nous avons gardé sous plan justice et sous plan politique. Nous, c'est des décisions qu'on prend de l'extérieur, les États-Unis, principalement, et que nous pour payer la justice, on prend enquête sur assassinat de Jovenel Moïse, je parle de monsieur condamné hier, assassinat et président, sous plan politique, des sanctions et cabaye et contre des mondes qui a impliqué dans la banditisme, dans la question de gangs armés, dans la corruption. C'est-à-dire, l'histoire, elle a commencé à prolonger, principalement les États-Unis. C'est-à-dire, il y a un coup d'envoi. Il y a un seul pays, je veux dire. Donc, on est, le Canada très impliqué dans la banditisme, Nations Unies et tout. Mais, comment eux-mêmes, comment solution, les capables haïtiennes, je veux dire, alors que les gérants, ils pas top? Oui. Effectivement, Marie-Lucie, c'est vrai que au niveau de justice, pour aborder cet angle-là, il est vrai que nous constatons qu'il y a comme une démarche vers donner ou rendre justice à qui justice est due à notre pays, mais ceci est fait par des pays étrangers, comme vous dites, notamment les États-Unis, etc., que nous avons, et ou bien le Canada, qui prend des sanctions, et qui ont même qu'à juger. Mais nous n'avons aucune vraiment démarche forte pour ta réélever, pour ta mener effectivement ou enquête pour que la justice haïtienne t'a commencé à prononcer. Nous ne pourrons jamais entendre rien de la justice haïtienne. Maintenant, voilà, vous avez des Haïtiens qui sont condamnés à l'étranger. Et que, ou même localement, qui sont dit dans ça. Quand il y a des sanctions qui prend contre des Haïtiens ou des gens qui vivent en Haïti, et puis, ou même dans le pays où, qui est responsable, en fait, qui a la justice, que le ministère de la justice, de la justice au pays, et qu'on n'a pas dit rien, qu'on n'a pas rapatrié, ou du moins, qu'on n'a pas initié, ou même, ou vraiment un bagage qui permet de comprendre que va juger, non pas que va chercher venger, mais qu'on va juger avec des faits, etc., condamner ça pour condamner, et évacuer le monde pour évacuer, qui n'est pas vraiment entré dans le drame ça, qui était passé en juillet 2021. Maintenant, nous pensons que côté nos pays, que par l'injustice, l'espoir devient de plus en plus difficile. Et quand on parle de justice, c'est que vous remettez à l'étranger ou gros problème sérieux, gros problème à ce moment-là de gouvernance, de prise en charge. Il est temps que moun qui a sauté pouvoir, ou bien moun qui l'a pouvoir, pour comprendre que c'est un pays à diriger. Pour qu'à comprendre que il y a 12 millions haïtiens qui vivent, qui vivent voter,
signal là. Mais ça que moi bah là pour ça c'est au même on dit que on a son appel et un acteur qui peut discuter aujourd'hui à l'académie négocier et il y a pas jamais livré la page négociation si on a exprimé merci mais si bagarre là n'est pas même nous Haïti aujourd'hui et démarche pour une solution et l'État n'en met, non, il n'en met l'étranger, il n'en met communauté internationale, on a parlé de justice, il y a des problèmes insécuritaires, et est-ce que des informations, des bribes d'informations que n'a gagné sous et force qui le l'a venu, qui démarche, qui fait, etc., et combien on a venu, c'est de l'étranger, nous venons hier, et nous voyons que la... l'ambassadrice d'Haïti, pardon, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies et des États-Unis auprès des Nations Unies, bien sûr, Libanon est pas mal d'informations sous force ça a fait. Mais c'est ça pour nous là, comment nous-mêmes, Haïtiens, entre Haïtiens, nous capables de chercher solution, nous capables surtout de joindre solution tant que nous la guerre bagarre là dans mes blancs nous la guerre dans mes étrangers c'est ça Mabdou est-ce que ou même si j'avais le fait est-ce que nous capable rapatrier si nous t'as fait tentative et pour nous faire ça est-ce que n'a pas bon chemin est-ce que il y a volonté vraiment pour nous capable d'une solution hein? Ça okay. Une pire question et à partir de soir monsieur Arga pardonnez-moi si j'insistais. Bon, donc, je comprends très bien, et c'est juste ça, je dis, maintenant, il faut se rendre compte évidence que, finalement, c'est pas étranger, qui, délibérément, on va venir prendre les filles pour mettre en justice. Faut pas oublier que nous, dans le livre, je dis, malheureusement, nous, dans le livre, une gouvernance qui est FOD. C'est-à-dire que moun sa yo, moun ka gouverne nou yo, pa pren en charge pays. Et yo même qui gen tout pouvoir lan men aujourd'hui en la, pou gérer pays, yo pa pren aucune décision pour mande yo gon question la question la plus saugrenue qui existe, la question qui la plus révoltante qui soit, c'est que réaction, c'est que dès que il y a une discussion qui a été faite, dès que un certain entente qui a voulu venir entre différents acteurs, pour nous enlever, pour dire, oh mes amis, oh c'est très bien ça nous dit, mais est-ce que nous connaissons ça à blandir? Mais tout autant nous pas retirer ça dans la tête, nous, tout autant que les gens qui dirigent nous, pas comprendre qu'il n'est pas question, ou bien les gens qui en face, qu'il n'est pas question de certains acteurs que blancs, entre guillemets, dit pour qu'on prenne une décision. Tout autant que nous ne pouvons pas arriver pour imposer nous-mêmes ça nous a. Nous imposer pour qui ça? Pour défendre les intérêts de pays. Nous, suspendre, défendre intérêts personnels. Suspendre, défendre intérêts de clics. Suspendre, défendre intérêts de clans. Suspendre, envahir tout avion et tout privilège. Mettez barres à tout côté parce que là, l'appel là, regardez qui résultat de nous. Libre un résultat au pays qui finit, un pays qui a dépassé fini. Pour qui ça? Parce que chaque monde qui a gardé là, qui remet pouvoir, qui en fait, broté un de pouvoir, ça y a, c'est intérêt qui pas concerne Haïti, mais c'est des intérêts personnels, individuels qu'il a. Et c'est ça pour commencer des fêtes. Et c'est ça qui arrive, qui fait que étrangers, qui je peux réagir encore? Lorsque vous n'avez pas de prendre décision, lorsque vous n'avez pas de définir que vous voulez aller à pays, qui ça pour faire? Ou que vous mettez en position, que vous dites, vous voulez que vous maternez, vous comprenez? C'est l'ADN, nous avons dit. Vous comprenez? C'est pour ça que vous avez, et là, vous avez parlé, ou papa chéri, tu maman chéri, ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. C'est un pays où le citoyen a ses droits, il a ses devoirs également. Maintenant, là, moun ki vin le pouvoir yo vle vini an pa ki yo vle vini an la lorsque pour prendre décision il faut que mande et la preuve est flagrante yo c'est yo pou mande étranger a vini c'est extrêmement difficile à avaler
maintenant, par exemple, il y a une insécurité comme on n'en a jamais connu dans le pays. Jamais connu auparavant. Donc, pour y a l'on ou insécurité, ça, c'est là. Si vous rappelez, on a réussi. Nous-mêmes, on est venu collectif 4 décembre. Nous allons nous-mêmes, nous allons avec, nous connaissons avec d'autres organisations, notamment, nous pouvons faire l'évêque avec le Père Gardi Maisonneuve, qui sont gros combattants, tout, avec les jeunes, celui qui est président de Fonds des droits humains, d'Amnesty, etc. On est allé voir le Premier ministre. On est allé voir le Premier ministre Ariel Henry, pour le parti de son nom, et Nalwell. Nous dirons, gros problème d'insécurité qui a crasé le pays. Ça se passe en 2023. Pour qui ça, nous, pratiquement, on est en état de guerre, contre non pas des, simplement des gangs, mais pratiquement des terroristes. Et l'on paye dans la guerre, qui s'en fait? On mettait, ou gagnait, yon au état-major de crise. Mais au état-major de crise qui est capable de gérer. De façon que, finalement, ce n'est pas décision qui prend avec, à partir de Youmoun, qui prend à partir de mais qui prend à partir de toute l'équipe. Nous allons nous proposer que nous mettions au état-major de crise. Premièrement, parce que nous avons dans notre pays deux forces constitutionnelles et légales. Deux forces. Les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Donc, nous même nous te dit qu'on en ouest, ça pour nous faire. C'est un gaffel combiné de yo. Combiné de yo. Deux mouns, yo représentant l'armée, représentant la police, et peut-être trois représentants de la société civile, qui des mouns qui déjà versé de la gestion militaire ou autre, et qui étaient des diplomates, etc. Faire une consensus de sec, de façon que yo sec plan, commission, que état-major de crise, vient avec des décisions qui allaient dans le sens de résorber la crise, dans le sens de combattre l'insécurité. Parce que bon bagage que nous, pour nous comprendre, et nous essayer de faire comprendre. Nous pas capables systématiquement ignorer les forces armées d'Haïti. Parce que c'est à lui réellement que nous capables de jouer une solution. Même à propos de ce question ça, en disant ce que le Premier ministre nous a répondu lorsque nous lui avons demandé de mettre au état-major de crise. Nous avons dit non, il n'est pas capable, et ce bagage ça, c'est le pouvoir régalien. C'est ça qu'il nous a répondu. Régalien. Mais nous, on pouvoir régalien qui n'a pas aucun résultat. Parce qu'ils sont dit, ouais, au ministre de la Justice, qui a dit, territoire perdu, maintenant, qu'il y a le seul moment où est que le Premier ministre lui-même, au lieu que lui, supporte ou prendre des démarches pour renforcer ou faire naître et l'armée d'Haïti. Nous sommes levés de Wesley, nous levés de drapeau blanc pour dire oh, demande international, le secours. Alors qu'on va même bailler, c'est tout, le choix, la chance d'utiliser les forces que nous avons. Donc c'est nous que les étrangers hein, qui pouvons faire ce théâtre. Et encore une fois, c'est ma vie, depuis que je dis, hein, on ne devra pas s'attendre à un résultat vraiment probant dans cette énième intervention militaire. Mais c'est nous qui demandons étrangers à venir. Mais ce n'est pas normal. Et c'est là que nous péchons. C'est comme si, par exemple, je dis, hein, nous venons au stade, nous avons un premier ministre que très malheureux, oui, a mis en place et établi là. OK, et qui je dis pour nous-mêmes, c'est un monde qui n'a pas même gagné la liberté de penser, voire l'action. Mais c'est extrêmement grave. Et c'est là pour nous prendre code tête, nous, pour nous payer nos choses, pour nous payer tête, nos choses. Nous, qui avons gagné, le monde qui en face. Donc, il faut s'essayer. Et c'est ça, c'est cet effort qu'il faut faire. Et c'est se venir avec des solutions de chez nous, des solutions haïtiennes, pas des solutions imposées, pas devoir attendre la bénédiction ou le dictat de l'étranger. Oui, il faut nous garder tout. Et est-ce que
solution nous ouais ça nous connaît est-ce que il y a marché mais maintenant des par rapport à ça là là bien sûr vous maintenant de tout temps que donc des dirigeants le même le plus croient que ben c'est l'international là qui est capable de nous résoudre le problème là et nous capable comprendre pour que ça y a pas essayé mais ou saute jumba là que qui est capable de faire une famille dans le pays d'Haïti, leur dit que, bon, et, ou pas quoi que, bon, force ça, hein, qui vient pour l'entrée dans le pays, c'est venu, je veux dire, c'est ton premier contingent, de 300, monde qui a venu, et 300 Kenyans qui a venu, et en février de 2024, mais, l'idée est déjà claire, oui, que, nous pas capables. En tout cas, la police bon, la police y essaye, nous, elle fait des efforts, ça a fait sur et le terrain, et les gangs, ils ont continué de tendre les et bon, l'armée, ça le représentait, je dis, même si le premier ministre avait annoncé, et, on est fait quelques mois qu'il a parlé que l'armée a en lutte contre la sécurité, ou elle va en bas de suite. Mais je dis aussi, nous-mêmes, c'est-à-dire, nous pas qu'à faire sur le plan national et puis l'international, sans se venir de nous, et, ou déjà dit, pas qu'il y a quelque chose qui a sorti, donc il s'en est là. OK. Maintenant, il y a deux volets là-dedans, là, ça dit là, Marie-Lucie. Le premier volet, c'est d'abgarder l'attitude que nous prenons et relayer une force étrangère qui peut venir, et écoutez, nous dit que nous pas qu'à battre nous à vraiment de résultats probants et comme on dit avec une solution pérenne, c'est-à-dire qui était net pour nous. On a vécu en analysant ceci, nous avons vécu combien de d'interventions étrangères, combien depuis combien de temps il y a des étrangers qui là en mission, nous commençons à ministrer, nous commençons à passer combien là-dedans. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats qui ont été positifs pour notre pays jusqu'à aujourd'hui? Nous ne pouvons pas rien. Ça que nous voyons, c'est que le dernier qui a allé à la liquidité, et choléra, que nous voulons que nous fait. Maintenant, qui ça qui a quitté de constructif pour nous? Rien. Qui ça qui a espéré donc, tout qui est de l'intervention sociale qui fait déjà, qui n'a pas bon résultat, que subitement, ou qui est une cabinet, et puis sera la solution des problèmes d'Haïti. C'est de moquer tout le monde, c'est de ne pas voir les choses en face, c'est de ne pas voir la vérité. C'est parce que là, on est en train ou de se leurrer, ou de répondre au doigt et à l'œil à des injonctions qui sont faites à nos dirigeants. Maintenant, ces dirigeants ne peuvent comprendre qu'ils ont une responsabilité, d'abord à pays, hein. Pas vos responsabilités de réponse ou de réponse et au commandement ou au dictat ou des propositions fortes de l'étranger. Non, nous pas capables de ça. Regardez maintenant. Soit pas analysé et plus profondément, Marie-Lucie. Et peut-être samedi nous pas capables de notre pladen. Voilà le Kenya qui est l'autre bout du monde chez nous. Pas vrai? Il y a même qu'à prendre une gestion qui décidait, enfin, qui acceptait la gestion force multinationale, cette force, entre guillemets, robuste, comme l'avait qualifié monsieur le premier ministre, ça va venir. Nous, ouais, toute tergiversation, toute vie retournée, toute la lose qu'a faite. OK, côté eux-mêmes, d'abord, un deal, ça y a pas, parce que c'est un deal qui fait. Un deal ça y a fait là, payer cash en avance, 225 millions de dollars. C'est ça le besoin. Maintenant, vous ne pouvez pas analyser. Que vous prenez Kenya, très bien, vous avez le savoir pour gérer ce genre de problème que nous avons. Bon, nous quittons avec ça au pouvoir, mais maintenant, nous-mêmes, nous connaissons. Nous connaissons que, premièrement, nous cabinons. Ce n'est pas nous qui parlons ni français, ni créole, c'est anglais qui parle. Deuxièmement, qui que ça connaît à partir de mœurs haïtiennes, de coutumes haïtiennes, de gens fonctionnés, de gens vivent
que pas connaître. OK, alors que ou même bon parole là ou gien tout ça déjà en main mon passé avec ou aussi sur gien pour un l'autre qu'on connaît qu'a sur l'autre bois pour nous ou pour nous c'est eux mêmes qui se sont abunis pour passer le temps faire un an ou un mois un an ou deux ans etc pour ne rien accomplir parce que ce qui va arriver finalement l'homme pour force étrangère vous mettez le chita là ou dit c'est yo qu'elle bat sécurité hein. OK maintenant très bien au cap dit yo qu'elle bat zam yo qu'elle bat équipement yo qu'elle bat tout ça vous voulez on prend et puis de temps en temps yo fait peut-être un point d'attaque pour dire et de démanteler ça yo touyer tel OK c'est comme si nous aurions fait appel à un mercenariat pour venir résoudre ce problème alors que nous cherchons une solution pas des gens à venir exécuter qui que ce soit mais des gens à venir aider à mettre la sécurité et qui est capable de sécurité pays où c'est pas étranger qui a la subir ça la Nous nous souhaitons vraiment que d'ailleurs pas passer comme ça mais Kounye la appel la fête, le dino la venu, ça prend temps, donc on est en affaire de corps, et puis on regarde sur le plan international, je veux dire, il y a l'autre foyer qui est capable de plus intéressé, qui est prioritaire pour pays qui vient leadership là, les États-Unis en l'occurrence. Mais Kounye la, ça m'a. Est-ce que nous pas capables de corriger nous, justement, nous, erreur qui te commettent avec toute notre émission yo depuis au final et police nationale la vigne plus mal mais je dis à la et corriger les choses t'as voulu dire que et yo même pendant yo vini pendant force à venir ils contribuent à renforcer la police d'ailleurs t'as déjà les formulé c'est que mission la vigne pour aider la police si pour aider la police c'est que la police pas impliquée tout non bataille et contre gangs armés dans l'établissement de sécurité d'un pays. Mais c'est justement c'est là qu'on a fait fausse route. On a fait fausse route en allant dans ce sens-là. Et c'est ça notre message. Et c'est ça que, comme dit, nous sommes plusieurs organisations à relancer encore l'appel. Nous pensons que c'est pas sérieux de blaguer ça sous dos une institution qui est la police nationale et qui n'est pas formation policière pour assurer une sécurité nationale. La police est là pour créer une sécurité publique. Donc, c'est pas lui. L'homme est de toute force à se dire. C'est peut-être ça où est-ce qu'il y a un bon échec là-dedans. Il fait un pile effort au niveau de la police nationale. Il fait un pile écoute de gang de cet côté. Mais il y a pas qu'à battre nous plus que ça il y a maximum qu'on capable bailler là maintenant que l'autre a vu bailler là ce serait encore la même chose la police c'est pas le rôle de la police d'assurer la sécurité nationale la sécurité nationale c'est sont les forces armées d'Haïti qui sont capables de faire maintenant donc premièrement donc l'autre attitude ça me dit nous on appelle ça va faire pas bon l'on peut tout bagaille, on mettait tout poids sous dos PNH, écrasons le cas du PNH de côté, parce que pas capable qu'il y ait poids à Kobalia là. Il fait effort, il fait pile effort. OK? Il y a un pile policier d'être qui décidait et qui veut combattre, etc., combattre et cette guérilla et guérilla ou ça. Qui l'a pour ça, qui voulait faire lui. Mais maintenant, donc, où la gomme bagaille sous dos, alors que lui-même, il y a quand même certaines informations, peut-être, par exemple, sous le DG et la police, l'actuel DG, je crois que c'est un ancien militaire. Ce sont des informations, ni même les mais la police en elle-même, l'institution elle-même, n'est pas faite pour ce genre de travail. Il faut faire appel à l'armée d'Haïti. Et c'est ça que nous pensons. Et nous avons lancé l'appel là plusieurs fois déjà. Et nous avons lancé encore aujourd'hui. Nous pensons que c'est absolument nécessaire que le ministre de la Défense, ou bien le Premier ministre, que organisé avec Salpungéen comme armée d'Haïti fonctionnelle pour que yo bayo ça au capable besoin pour aider pour aller pour
travail là-dedans. Nous avons un pile militaire qui sont là. Nous avons au moins 1500 militaires. Nous avons un pile militaire au lieu que nous servions avec eux. Nous mettons le giro de protection du Premier ministre. Ce n'est pas ça, Wolio. C'est pour qu'il y ait un rappelez-nous, dire encore, il n'a pas dit, je dis, il faudrait faire un appel sur le drapeau. Il y a un pile militaire qui est là, qui est capable de porter le travail. Pas plus tard qu'hier, nous rencontrons fortuitement un militaire. Moi, je rencontre lui, et puis tu as parlé, je suis doit avoir peut-être 45, 50 ans. Mais, il n'est pas bien campé. Je me dis, mais, si vous voulez, nous, là, nous parlons, nous-mêmes, ma plaque et tout ça, on va faire côté coup de bain. Et bien, donnez-leur la chance, de pouvoir travailler et venir et faire ce qu'il y a lieu de faire et apporter leur expertise de la gestion ou de la gestion de crise. Ça, parce que eux-mêmes, se mettent ensemble avec la police, oui. Et quelqu'un d'un militaire dit, comment dit les Willem, monsieur Dignier, écoute, si on bombe là, si on veut une coumière là, on a appliqué immédiatement. Ok, nous avons aussi entendu un ancien militaire, Antoine Verlu, je vais citer son nom aussi, qui te dit lui-même si il est prêt à se rendre au quartier général comme ancien militaire, pour faire appel à lui. Mais qu'est-ce, pourquoi ne pas faire appel à eux? Pourquoi ne pas les solliciter? Pourquoi et rejeter, enfin, envoyer sur les autres responsabilités que nous aurions dû assumer nous autres? Pourquoi? Mais est-ce que Josia, ce appel à l'ancien militaire, n'a pas le monde qui dit 40 et plus que 40 ans, 50 ans et même plus? Est-ce que si nous voulons vraiment et monter l'armée, pas qu'à vous dire de ce nom, nous pas des moyens ça, mais au moins qui est capable de participer de façon efficace dans la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le banditisme, pour capable faire monde capable de recommencer plus à circuler. Et dans le pays, on peut commencer par faire recrutement, mais ça va durer là, parce que ça va être tout. Et pour nous avoir des dirigeants qui ont l'autre vision, qui fait confiance, et à force ça, et qui pensait que l'armée est capable utile et véritablement. Mais je dis à là, est-ce que bon bagage qui est déjà en marche, mais ou même Jean-Robert Arguin avec collectif 4 décembre et même d'y aller, parce qu'il y a une autre organisation qui est même qui continue, qui. Qui prend de position, qui prend position avec nous et publiquement. Mais est-ce que nous avons arrêté Sakabini là déjà? Bon, écoutez, Sakabini ne va pas faire rien contre ça. C'est une organisation qui est décidée en d'autres lieux, sous d'autres cieux que sous les cieux d'Haïti. OK? Donc, son bagage est posé quand même. All right? Bon, on va pas faire avec. Il y a Bini. Je te dis, mais il faut espérer le marché, oui. Ah, non. Oui. Il faut espérer le marché ou bien contribuer à ça. Marie-Lucie. Mais c'est à qui là j'ai cap dépensé. L'autre de 200 millions par ci, 100 millions par là, l'autre pays qui va le faire contribution. Après, à la fin de la journée, il y a mettre les dans le cadre de l'aide au bail. Mais combien que yo bay pour aide et assistance et à Haïti pendant une année, pendant deux ans. Et donc, nous-mêmes, si nous bagay nous café, Josia, et nous sommes bien inspirés pour nous faire. Oui, mais Maïlis, vous parlez de pour moyen. Mais l'État, ça, il y a moyen là, s'il te plaît. Il y a moyen là, s'il ne pas vle, ou du moins pas celle. Ok? Par contre, s'il vle, mais pas celle. Parce que moyen, pas le problème. Le moyen n'est certainement pas le problème. Et, OK, et qui veut ce moyen se le procure et est capable de faire. Vous comprenez? Mais ben, faut déterminer pour faire lui. Faut croire que pays ou que solution capable de faire de façon pérenne avec force locale. Mais, que pays
dernière nouvelle de dire, c'est que pour nous, le gouvernement américain paye 200 millions de dollars, 800 millions de dollars, et pour bagailler capital avec Kenya. Très bien. Maintenant, nous pas, ça nous-mêmes nous dit. Nous dit que le premier barrage que nous avons, c'est que nous faisons nous-mêmes, parce que nous sommes capables de faire. On a des gens, on a des militaires qui sont là, qui peuvent le faire. Il y a eu des gros coups de poing. Nous avons des militaires qui sont là. Parce que pour qui ça nous dit ça, c'est l'armée. Lorsque vous utilisez l'armée d'Haïti et que vous venez avec la police nationale, vous résorbez la crise. Mais là, la prêté, le pays, avec tout attaque, de tous côtés, vous finissez de gérer la crise et puis il est là. Mais le cabine là, la police nationale, vous venez faire ça, faire. Je sais de Dieu, on pas connait pour choisir où mettre la sécurité. Mais la dire Dolly après un an, après deux ans, et qui j'ai apprêté, gros jeu comme devant. C'est même gens avec toute l'autre intervention qui est faite par avant, qui ont quitté nous. Ils ont quitté nous, ils ont quitté nos bagages, c'est avec problème, ils ont quitté nous. Mais pourquoi ne pas donner à notre pays la chance d'utiliser les forces que le guérin a, les guérins forces. Pourquoi ne pas l'organisation que cette mission-là vienne? Pas de problème, comme on dit tout à l'heure, ou pas cabriter, de toute façon, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas d'Haïti, parce que ça a été décidé pour Haïti, parce que nous avons des irresponsables qui n'ont pas su garder la dragée. OK? Maintenant, et non, et ça nous dit là. Lorsqu'on fait le normalement là, lorsqu'il y a la caïwa, ou il y a le normalement, l'autre a mis à l'île. Il y a un travail, mais que quand j'appelle, on ne peut pas, je répète, on ne peut pas et on n'a pas le droit d'ignorer, de mettre de côté une force latente que nous gagnons. Ben, il est ici, tout ce que je dis, on n'a pas de l'armée, mais je n'ai pas capoté nous dire là. Ça fait, qui l'a joué là? Ça fait 29 ans que malheureusement, on est démobilisé la mer, très malheureusement. Il y a peut-être changé, peut-être des mounandels, refaire institution, ranger institution, mais c'est une institution bien hiérarchisée qui est capable de fonctionner. Et c'est lui, notre gros problème, c'est lui. C'est lui qui peut être responsable de la sécurité nationale. Maintenant, en tout cas, quelle que ce soit aérienne, que ce soit terrestre, que ce soit maritime, que ce soit côtière, c'est l'armée. Nous, pour exemple, côté que c'est l'armée. Alors, il y a des gens qui vivent aujourd'hui, hein. Il y a des gens qui prennent bateau, sont qui bon martis, il y a le choué, Koyo, Jouke, et Mariani, Léogan, etc. Ils prennent la mer pour sous chaloupe, il y a créé problème de bois. Mais ce côté-là. Mais le sens, c'est qu'on garde côté, là. La marine haïtienne. Mais la marine haïtienne, c'est l'armée. Mais si elle n'est pas fonctionnelle, comme on le fait. OK? Donc, c'est parce qu'on ignore l'armée. Et c'est ça, nous dit. Si nous mettons l'armée à nous, ça pour Balia, et nous organisons, nous, que nous modernisons l'armée, nous organisons, nous, que nous n'y a pas de corrompre, yo. J'ai eu de corrompre l'autre, yo. Bien. Là, mais on a des éléments extrêmement sérieux, compétents, capables de donner des résultats. OK. Mais qu'est-ce que ça? Qui t'a doué fait bon côté acteur haïtien pour que étranger a ou bien étranger yo tant de voix. Il faudrait d'abord, parce que mettons la place étranger, il peut parler avec des nègres et puis yo voit que c'est des nègres qui a cherché job. Yo voit que c'est des nègres qui a vil prix, yo changé vers qui te sous yo. Comprendre pour jeune fonction, pour jeune avantage. Donc, il n'y a pas rien de concret, ou pas de rien, ou pas créer un rien de concret par étranger, hein, et pour dire, OK, mais quand on parle, on va plus loin avant. C'est officiel, par exemple, que le gouvernement américain, Joe, lui-même, n'est pas dans l'armée. Pas dans l'armée d'Haïti. Vous ne comprenez pas.
mais qui sont même rien ou qui sont fait pour dire bon, que ben ça m'a fait mais qui j'aime braler mais là qui ça se braler mais on cap bien étonné que même gouvernement américain ça qui nous passe la mer s'il voit quoi vu bagaille sérieux bien travaillé bien présenté avec un bagaille bien clair ou pas que la lose ou le bagaille peut bon être ou cap bien étonné que lui même changer l'attitude d'abord mais là où est que c'est ça va faire là que vu tout dans que c'est très pas on garder là. Qui je peux prendre au sérieux? Donc, qui je peux penser autrement? OK. Donc, la faute nous revient à part entière et non pas à l'étranger qui défend ses intérêts. Parce que l'étranger, ce n'est pas parce que le blé que le blé défend nous là. Ce n'est pas parce que le monde plus que ça. Le passé a indiqué que ce n'est pas parce que le monde plus qui fait qu'il y a bien et là, il y a là, il y a là. Nous avons des choses qu'il faut comprendre qu'il y a un peu d'intérêt qui se fait. Il faut comprendre qui a des intérêts très, 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 très forts de tout le monde à ce capitaine là. Mais ce que nous ne comprendre, ce que dirigeant ne va pas comprendre, il y a un intérêt qui est encore beaucoup plus fort que tout notre intérêt, c'est l'intérêt de sauver notre pays. Et ça, c'est à notre merci aujourd'hui. Et je vous remercie, sur ce collectif-là, qui est sorti en Europe, et côté nous demander, le gouvernement, les autorités haïtiennes étaient capables de tourner vers pour résoudre problème sécuritaire. Est-ce que, bon, tout ça ne devrait dire par là, est-ce que c'est organisation régionale? Bon, moi, je dis que lorsque les États-Unis ont poussé pour que Kenya prenne peut-être pour ça, est-ce que c'est pas, je dis, bon, et peut-être qu'il n'y a plus accepté par les Haïtiens? Mais nous, c'est des cousins. Nous-mêmes, c'est là, nous sommes tous. Et en Afrique, est-ce que le problème-là, c'est parce que c'est Kenya, ou bien côté situé? Bon. Et nous-mêmes, nous regardons sur les démarches qui fait. D'abord, on a parlé du Canada. Le Canada qui a envoyé un navire ici, sondé de notre mer, de nos mères. Des avions, etc. Maintenant, et je te dis que c'est le Canada qui n'a pas le bail là, mais de le départ, nous connaissons, c'est pas la formation canadienne, c'est Canada par la jeune bouée au monde. Non, c'est pas intéressé. Non, du tout. C'est pas eux-mêmes. C'est le Canada est très, très, comme là, je l'ai dit, moi j'ai dit humain, non, mais libéré, donc, c'est pas les balles force vraiment violentes ça eux les mêmes mais donc finalement je fais et je cherche l'autre côté et puis les gens là qui ont eu bataille contre pardon ah ils ont même le problème de nous poser pour eux et ils ont même y a combattu ah oui il y a pas de l'autre ou pas ça veut dire il y a pas de doute mais est-ce qu'on peut se fier du que ce sacré parisien qui a venu dans le pays là ou d'accord. Non. Pas accepté, non. D'ailleurs, à la base, nous même pas gardé sous regard vers l'extérieur là, regardé regard intérieur noir. Mais maintenant, admettons que pour une raison ou pour une autre, bon, le Canada a décidé qu'on va aller. Point bas. Et puis fini avec ça. Maintenant, où aller chercher Kenya. Mais Kenya, c'est pas parce que encore une fois, on se joue de nous. Parce que ressemble avec nous, mais faut dire. Oui, parce qu'on semble avec nous, on va jouer des bons qui ne parlent pas même langage. Ils ne vont pas parler, on va connaître un sémaphore ou des marques. Et qui ne connaît coutume, qui ne connaît qu'ils ont rien. Oui, c'est qu'il y a peut-être des gens aguerris quelque part. Bien que ce que nous entendons, tout ce que nous apprenons, tout quelque chose, même la caille, il y a un pile problème qu'on ne peut pas résoudre. En plus, que y a des pays d'Afrique côté côté là. Et on va retourner parce que on met Kaya blanche parce que pas de rien car je dis je veux parler du Congo. OK, donc il y a même quelque problème pas yo. Qu'est-ce que qui sort cabatten de yo? Est-ce que ce sont des experts en guérilla? Non, c'est des policiers. Et bah, encore une fois, on va dire que c'est des policiers. Maintenant, encore une fois, le travail qui doit être fait, c'est un travail qui devait être assumé par une force armée. Et c'est là, encore une fois, et c'est là pour nous tourner sous l'île.
parce que c'est lui qui est capable de faire nos résultats. Maintenant, qui est capable de poser, c'est qu'on dit, est-ce qu'on a intérêt à aller dans la gaille simplement superficiel? Pour qui ça veut dire? Parce qu'on veut venir à qui ça? À une élection. Il veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de faire sélection que vous avez fait là. Vous pouvez retourner dans le même problème. Le problème n'aura pas été résolu. Pourquoi encore se masquer le visage et aller vers un échec que nous pouvons subir puis devant? Pourquoi ça? Pourquoi ne pas résoudre le problème tout de suite? Pourquoi ne pas aller dans le cœur du problème et le résoudre? Parce qu'on peut le faire, parce que dans les éléments, parce que dans les gens qui veulent, et c'est déjà beaucoup que jeunes, lundi, tu as perçu de la peau, un jeune, un pile monde qui est capable de venir. Et quelques jours, eux-mêmes, bah, aidez-moi, bah, aux amis, bah, aux besoins, bah, aidez-moi, je résous le problème. Là. Bon, c'est là sur le terrain, on connaît ce qu'a résolu le problème, mais vraiment. Mais, monsieur Argan, et des experts haïtiens, des gens qui ont une question, de nous, ça vient là, ils travaillent pour la police. Non. Ça se travaille l'armée. C'est ça, ils disent. Ok. Correct. Et, quand il est là, nous parlons de réponse à la question, ça. Après, force à finir. Parce que, bien, droit tout, la police, non, elle n'est pas outillée, elle n'est pas équipée pour ça. D'ailleurs, et le directeur général, l'actuel directeur général de la police, il te dit ça. Vous comprenez, il y a de plus en plus d'unités spécialisées pour le West, qui sont capables de bataille contre les gangs armés. Mais, on ne connaît pas, ça veut dire, policiers qui ont venu, est-ce que c'est des policiers spécialisés, oui? Et qu'on y a là, c'est et après mission, la mission finie, ou du moins c'est pendant sur le terrain, qui résultat que le bail est là, nous capables de dire, effectivement, ça c'est pas de travail et la police ou bien justement et bon, c'est PNH qui pas de café. Ma femme est Pacha. Vous me posez une dernière question. Bon, peut-être que c'est pas la dernière question, mais c'est le dernier point, mais on a pris environ 5 minutes pour lui gagner plusieurs notes et que et Jean-Robert Argan, que collectif fait 4 décembre, fait sauter sous question canal là. Il me dit, bon, c'est-à-dire, question ça pas tellement. Dans la presse, il me dit, bon, m'aborder avant et aujourd'hui, on applaudit. Initiative population très critique vis-à-vis des autorités et haïtiennes par rapport à comme si j'ai réagi à bagarre ça le tardé pour apporter aide et bailler bon qui a travaillé sous et canal là mais gros bagarre qui vivait semaine dernière là mais on connaît qui est politique là ouais et gagne des monde qui le dit c'est d'ailleurs bon yo sorti et vini fait forcing c'est un camion et puis il a ouvert là au niveau de Wanami. Mais ça sous vision 2000 gagné et au responsable de, régional et pourquoi c'est délégué département parle du nord-est monsieur te dit que bon là c'est pas contrebandier c'est contrebandier qui vini et qui fait ça par bon enquête pour capable de fixer la responsabilité. Surtout que depuis jeudi, il faut faire la lutte ouverte. Ça veut dire pour comment la population est capable de comprendre de ça. OK. Alors, on va me prendre à ça. J'ai fini la première partie là, avec une question. Pourquoi on demanderait au responsable pourquoi opter pour le merci n'a rien au lieu d'opter pour l'établissement d'une force nationale vraiment intégrée pour résoudre le problème de sécurité. Pourquoi ce choix? Maintenant, bon, on va retourner sur l'affaire Wana maintenant. Là encore une fois, ça montre que nos dirigeants assument du tout responsabilité. Maintenant, quel que soit Jean Bagala fait ça, que son vagabond, que son saleté, ou n'est qu'il faut camion, bien pour tracteur, bien pour salvé, il crase un barrière, une frontière, hein? Malgré que l'État officiellement dit que lui-même
barrière frontière fermée. Si on te gon l'armée, est-ce que d'abord mal comme ça t'a privé? Non, ça va t'a privé. Non, on va t'apprendre un jupe et pour recevoir de la République dominicaine. Non, nous va t'apprendre aller dans l'instance que nous y a là. Maintenant, je dis à le fait. Quelle a été la réaction? Qui est là? Parce que comme on voulait, pour le monde venu, on prend vos nègres, on prend les points cartes, les points saltéria, et puis ils ont crasé les barrières. Alors, c'est quoi ça, crasé les barrières? À partir de lui-même tout seul. Non, on n'est pas capable aussi borné ou bien fermé que ça. Non. Qui s'adhère tout ça? Et pour quelle raison? Et qui a commandité ces histoires-là? Maintenant, c'est une telle là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, que pas tout corps d'eau militaire ou policier là, et puis fermé, point, et puis fini, à faire quitter que c'est des mouns qui viennent, soit les marchands ou ça a été hier. Yo casé barrière là. Et c'était justement la mission de l'armée, c'est de protéger les frontières. Et c'est son absence qui fait que n'a subi ça, n'a subi là. Et jour que je dis là, et c'est ça crève, je dis, hein, qu'on a les couignards, ou après que, et on ouvre barrière, parce que, nous n'avons pas de situation pour qu'on ait un casé barrière physiquement. Alors, oui, mais, moi, je suis une seconde de l'armée, ça pas ta privée, mais l'armée a les chevaux là. Ça oui. Vient de polyfront pas réagir à ça. Parce que, il y a une barrière, non seulement il était tombé, qu'on y a eu la rivière là, et depuis, ça dit, c'est bah, la ville libre. Donc, oui. son barrière libre, il y a qu'on y a. Mais, non, pas même, pas de barrière. Ça t'a demandé. Oui, et ça me dit, libre, ça dit, non, et ou après, soit si j'en venais, mais ça t'a demandé pour que, puisque, gagner une autorité, qui dit même ça qu'a passé à le déplorer, le dénoncer, le accuser de contrebandier, qui t'a bien, mais font du nom avec et complicité de certains employés de l'État. Tout le monde n'a pas demandé, mais pour qu'il ne soit pas aucune réaction suite à ça et du côté des autorités centrales. Qui est-ce qui dit que vraiment pas gagné ou complicité là-dedans la partie de l'autorité centrale de New York pour que ça arrive comme ça? Parce que qui se fait? On dit, bon, d'abord, on dit qu'on va de la main, ou bien la police, pour diable la police, on l'a dit tout bas sous l'eau. Donc, qui police on mette là au départ pour protéger maintenant? Non, c'est avec... qui instruction qui balle? Pas gagné. C'est instruction. Ah, ben oui. Attention, non, mais qui va le passer là, pas réagir. Il y a deux bagailles. Peut-être que y a un soutien qui va au parchim, et peut-être que y a un soutien qui va suivre le cap du tout. Et qui quitte Bagala, aller chez Jean-Lia, ou reprendre. Ça veut dire que nous avons des gens qui n'assument pas, encore une fois, leurs responsabilités. Et qui est-ce? Quel affront ça donne? C'est pas simplement le fait que pour barrer, au casé, au jeu de l'autre bois, non. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le dégât qui fait ça là, c'est pas deux trois grands mondes là qui quand on bon l'envoie les obans chèque et qui court à prendre non c'est pas ça le problème est encore beaucoup plus profond. Le problème c'est qui s'allie, c'est que l'on fait ça ou tolérer ou pas réagir vertement sérieusement et ou marquer et donner plus des propositions du que nous-mêmes nous avons suggéré, fermer barrière jusqu'à ce qu'on s'entende avec Dominique Kéo, comprendre, mettre des barrières de contrôle de qualité, etc. Nous avons donné notre défense de barrières. Bon, pour n'y avoir pas de parcelle là, quel dommage vous avez créé? Vous avez donc créé un dommage extrêmement lourd. C'est quoi? Nous aider une population qui vit face à l'inefficacité ou ne pas dire l'absence ou encore ne pas dire la complicité des responsables de l'État, population prend en charge, construit un canal qui fait pour arroser comme des carottes pour essayer libérer de carcan pour gagner un coup là de devoir dépendre de la République dominicaine d'un bagage vivrier. Bon, eux-mêmes, ils prennent en charge. Ils ont pris en charge une affaire qui est de la responsabilité de l'État. Parce que c'est le président Moïse, par exemple, qui avait initié ce travail-là. Mais pour quelle raison
lorsque vous finissez assassiner le président, et pour quelle raison que l'État pas continué ça que œuvre que l'État fait ça là? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et c'est ce qu'il faut savoir, parce que c'est ce qu'il devrait être. Mais maintenant, donc, l'évidence, c'est que l'État ou ceux qui sont responsables de l'État n'assument pas encore une fois responsabilité pour une raison ou une autre que nous tous finissons par savoir tôt ou tard. Parce que rien, on va cacher tout le bagage tout le temps. Mais c'est suffisamment clair qu'il y a une manipulation qui se fait et au niveau national et international. Donc maintenant, il faut savoir maintenant comment aborder tout ça. Pour raison pareille que nous ne connaissons pas, mais c'est nous-mêmes qui avons payé les conséquences. Donc, dommage que créer, comme hein, nous a dit tout à l'heure, une dictature profonde. Voilà l'enfermage comme ça, au point de vue pareil, qui sortait. Ou casser les bras, ou casser l'un, ou détruire toute volonté patriote que vous ne pouvez pas gagner. C'est soit fait, ou détruire, ou rejeter, ou shooter des mondes qui veulent défendre l'intérêt du pays. Nous. C'est eux shooter, c'est eux faire affront. Diaspora qui vient investir là-dedans pour ce canal-là, pour imposer respect, dignité nous, de peuple. Non, c'est yo crasé, ça n'a pas de sens, c'est impardonnable ce style de comportement. Donc, parce que ceci, ça marque profondément. Où je n'ai pas gardé, ils disent, bon, nous faisons tout bagage ça, nous faisons tout effort ça, nous faisons tout dépense ça, tout énergie ça, mais qui s'accueille? Alors lui-même qui a gardé, qui s'accueille, quelle idée pour partir comme pays. Et c'est ça qui fait comme problème. Mais c'est inacceptable. C'est révoltant et on n'a pas le droit d'accepter un comportement pareil. Il faut que ces gens qui sont responsables de notre pays prennent effectivement, pas dans la bouche, pas dans la nose, prennent la responsabilité et pas respecter et sauver le peu de dignité qui nous reste comme peuple là. Merci, monsieur Arza. Merci, Marie-Ci, merci et bon Noël à vous tous. Bien, joyeux Noël. Et vous protège tous. Voilà, à bientôt. Monsieur Jean-Robert Aguin, donc l'invité aujourd'hui, c'est coordonnateur du collectif du 4 décembre. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Nico, Marie, ici, bonhomme. Et bonne journée, en compagnie de Vision 2000. C'était notre invité du jour. Émission nous sommes côté là, c'est Capital Bank qui patronne. Pour année 2024 là, Capital Bank a souhaité grand monde, petit monde, fille, cou garçon, l'amour youn pour l'autre, la santé et fraternité dans quel content. Engagement nous dans Capital Bank, c'est bay client nous yo pi bon service pour toutes affaires la banque yo dans capital là, tant kou dans ville provinciaux. Et si Capital Bank côté lié jodi a, c'est parce que chaque client accepte de faire nous confiance. Et pour ça, nous disons merci. En 2024, ensemble, on avance pour plus de 20. Capital Bank, bon banque! Vision 2000. Le secret de la réussite passe par la connaissance. La connaissance nous permet de prendre des décisions éclairées.